Nouvelle cité sortira bientôt de terre à la sortie sud-ouest de Ouagadougou. Elle n'est pas encore construite, mais elle a déjà un nom. C'est la cité des dauphins. Les promoteurs de cette cité ont organisé une conférence de presse pour marquer le démarrage officiel des travaux des 100 premiers logements. Abdelaziz Yaguibou. Des logements décents dans un cadre de vie agréable et sécurisé. Cette vision du groupe BTM de faire de la mixité sociale une réalité dans cet espace en y dressant plusieurs standings de villas, passe des mots aux actes. Les villas TES sont sorties de terre et cette superficie d'environ 97 hectares, acquise depuis une dizaine d'années par l'entreprise, s'apprête à accueillir les 100 premières villas. Des villas de type F4 qui marquent la première phase du projet BTM IMO, baptisé la cité Les Dauphins. Ce n'est pas le nom du mammifère. Ici, on veut parler de l'héritage, le dauphin. Et comme ces villas seront des villas solides, on se dit après, parce que quand on achète un logement, il faut, on ne l'achète pas pour soi-même, on l'achète pour l'héritier, les héritiers après. Donc c'est pour ça qu'on a mis le nom Dauphin, pour rassurer les acquéreurs et puis les souscripteurs, pour leur dire qu'ils ont affaire à des villas solides et qu'ils ont affaire à des villas pour toute leur génération. Cette première tranche dont la présente conférence consacre le lancement des travaux mais aussi des souscriptions intègre des infrastructures socio-communautaires, des bitumes ainsi que des canalisations pour l'évacuation des eaux pluviales. L'État seul n'est pas en mesure de pouvoir répondre à travers sa politique des cités à la demande. L'autoconstruction par les particuliers comme vous et moi, c'est important. Les promoteurs immobiliers, c'est important. Et donc, plus la chaîne va être remplie, plus on aura de maisons et naturellement, ça va rendre les maisons aussi en quantité. Et puis forcément, ça va aussi, la concurrence va faire jouer et les prix vont permettre donc au maximum de Burkinabés d'avoir des logements. Ce pari d'apporter sa touche à l'édification d'une capitale moderne, le groupe BTM entend le gagner avec le concours de la BOA. Avec notre partenaire, la BOA, ça dépend. C'est-à-dire que lorsque le souscripteur il vient vers nous, il a la possibilité de payer au comptant. Donc c'est une entente entre le souscripteur et la société. Et le paiement est dû à la remise des clés. Dans le cas contraire, nous envoyons nos clients vers la BOA, qui est notre banque partenaire. Et si le dossier est accepté, le client bénéficie d'un crédit bancaire, donc sur une période allant de 5, 10, 15, 20 ans. Selon les standings, les coûts de ces villas qui seront bâties ici oscillent entre 33 millions et 345 millions de francs CFA. La première tranche de cette cité qui prend progressivement corps sera livrée en juin 2014.